terminer à Kevin. Qui avait fini 5e l'année dernière lors de ces mêmes championnats de France. C'est vrai que c'est compliqué pour tous ces couples parce qu'ils ont, ils veulent créer, créer leur place. Et il y a une telle attente, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, du couple qui va suivre, que tout le monde est très très impatient et ne parle que d'eux. Mais il faut aussi regarder la jeunesse. Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean au musée. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chiquée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par les bras audacieux. Là on croit toujours au doux mot d'amour quand ils sont des avec les. Là, à Kevin. Elle, qu'il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Qu'il ne l'aime plus, c'est passé, n'en parle plus. Il ne l'aime plus, c'est du passé. Revisite les grands classiques, hein, avec l'Amant de Saint-Jean, avec la Vie en Rose, dans cette séquence du programme court de la danse sur glace. La chute, effectivement, hein, de Kevin, qui va coûter forcément des points. Qui va coûter cher, avec un minima, une déduction d'un point. Et surtout dommage, parce qu'une rupture dans l'harmonie du programme, et c'était la toute fin du programme, et ils essayaient de nous emmener. C'était plutôt réussi, parce qu'une interprétation... agréable et bien, bien sympathique, et du coup ça casse un petit peu tout. Et on peut faire une transition assez importante avec le prochain couple, parce que l'entraîneur de Laureline et de Kevin n'est autre que la maman de Gabriela Papadakis. À l'image ici, voilà, effectivement. Catherine Papadakis. Qui, ça c'est Didier Gaëgué, le président. C'est le président de la fédération, tout à fait. Catherine Papadakis qui entraîne et forme depuis très longtemps de jeunes patineurs, qui a formé notamment Gabriela et Guillaume à Clermont-Ferrand, qui fait un travail de technicienne vraiment de grande, grande qualité. Les transitions qui sont tout un art, évidemment, dans le patinage. Je ne sais pourquoi. Et on revoit au ralenti quelques scènes de ce passage. On attend la note des deux, évidemment. Pour l'instant, hein, c'est le 49-28 de Lorenza Alessandrini et de Pierre Souquet qui tient la corde. Comment ne pas perdre la tête, serré par les bras audacieux. Devant Péroline Ojardas et Michael Brabant avec 44-26. Classement provisoire, évidemment, puisque Frédéric le disait, le public
Et vous aussi, chers téléspectateurs, bien, attends, et vous attendez Gabriela Papadakis et Guillaume Sizon qui vont se présenter sur la glace incessamment sous peu. On voit justement tous les ralentis, tout ce travail de quart dont nous parlions tout à l'heure, si important. Score technique 16.87. On voit le score pour les composants, forcément 21.06. Bien en dessous. Laureline et Kevin obtenaient un total de 36.93. Oui, ça fait 36.93 au total quand on additionne l'artistique et la technique. Puis après, tu as le twizzle qui saute.